Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Morphin pour un nouvel épisode de Prison Architect. Nouvelle prison, du coup, avec 2 millions de dollars. Ah, j'ai bouclé les quelques petits objets que j'avais à boucler, donc de mon côté. J'ai vu les nouvelles. D'ailleurs, je crois qu'on peut le faire direct là. Ah, on peut pas la revendre. Ok, on peut pas l'estimer, on peut pas la revendre, on peut rien faire à notre stade. Pas d'embrouille. Voilà, calme-toi. Fermé. J'ai vu les nouvelles choses et donc d'ailleurs j'ai généré une jungle avec quelques restes de bâtiments et tout sur une grande map évidemment. J'ai réintégré la température, hein. Donc on va s'amuser avec les chauffages pour voir un peu qu'est-ce que j'ai ajouté. Ah, la recherche de tunnels. Oh, ok, non non mais c'est bon. C'est bon. Ah c'est bien. Donc de toute façon on a vraiment une touche pour dire allez, allez trouver les tunnels. J'ai mis l'option. Je sais pas si on peut voir ça. Est-ce qu'on peut voir ça s'il vous plaît? C'est dommage, on voit pas les options de notre. Je crois pas que j'ai mis les gangs. Je crois que j'ai pas gardé les gangs. Je me suis dit ça va être trop d'embrouille. Y a plein de dictateurs débilos que j'ai pas mis, j'ai rien mis, hein, j'avoue. Et ouais, donc on va se tenter donc des nouvelles prisons. Alors on va se garder les classicos bien sûr. Hein, on va commencer par se poser un petit mur d'enceinte. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là. On se met notre prison ici. Voilà. Ça, voilà, j'ai une prison. Lol. Très joli. Est-ce qu'on peut tout de suite acheter en face? Grande question. Je crois pas. Pas encore, hein, je crois. Non, faut débloquer des tas de trucs. Ok, bon bah au boulot les filles. C'est parti. Commençons à construire. Alors dans les constructions rapides, on a les bureaux. Mais j'aime pas l'agencement des bureaux. Je trouve pas ça soyeux. Ah, je trouve ça triste. Je trouve ça triste à pleurer. Les mecs qui sont face à leur mur là. Non, c'est triste. Non, c'est triste, on va faire. On va refaire nos bureaux nous-mêmes, hein, bien sûr, les grands classiques, hein. On connaît donc en 6 sur 6, tout à fait. Évidemment, on va en faire plusieurs. En 6 sur 6. Donc, je ne sais même plus combien qu'il faut en faire, mais on va en faire un certain nombre. Et tout ça nécessite évidemment des portes. Des portes stricto reservato au personnel tuto. Pourquoi il veut pas? Quoi? Ici il veut bien. Là aussi. Pas là. Là on peut. Pas là. Là on peut. Mais là on peut. Bon. On attendra qu'ils fassent leur taf. Yes. Ah ouais, par contre, il y a des bouchées doubles. Alors je vous rappelle que ce qui est bien au début, c'est qu'il faut prendre du temps. Ça sert à rien de s'énerver trop vite dès le début. J'ai presque envie de dire faudrait virer un ouvrier ou deux, normalement, hein, si on veut faire les choses bien. Voilà, pour ceux qui commenceraient éventuellement la série à partir d'ici. Voilà, on vire d'abord bien sûr les obèses, hein, puisque c'est un jeu extrêmement raciste. Voilà, on vire d'abord les gros qui sont moins effectifs. Pure discrimination. C'est génial, hein. Du coup, un Tyranny Simulator. Trop bien. Et voilà, comme ça on gagne plus d'argent. On gagne rien quoi. Faut faire quoi? Des cellules, des douches, des. Oh, c'est trop compliqué. Ça c'est bien, ça on prend l'argent. Là on veut bien. Construire deux bureaux, bien sûr. Bien sûr, tout de suite. Hein. Les pièces, s'il vous plaît. Bureau, bureau, bureau. Bureau. Bureau, merci. Oh putain, c'était entouré en gros, je le voyais pas. Vous comprenez, hein, c'était entouré en gros, je voyais pas. Construire deux bureaux, engager un directeur, déverrouiller finances et administration, engager une comptable. Bien sûr, évidemment. On va vous faire ça, monsieur. Faire ça tout de suite, monsieur. Alors voilà, moi le bureau il est posté là. Ça ici. Chaise de bureau. Du boss, direct.
Du coup ça compte, oui, chaise, une chaise de bureau, évidemment. Évidemment ça compte. Incroyable, c'est génial. Et vu que c'est le boss, finalement sont tous des braves gens. Voilà, des petits barreaux pour regarder dehors, c'est toujours plus mignon. Voilà, c'est kawaii. Voilà, y a des petites touches comme ça, vous voyez, vraiment, ça sent la petite personnalisation. Le retour du Saint Parquet, bien sûr, hein, évidemment. Évidemment, on y tient. La petite dalle de béton qui nous marque l'entrée, évidemment. Un X présente l'emplacement. Bon, est-ce que ça y est, on peut poser des portes ou pas là? On peut mettre une porte ici, c'est validé. Porte là. Et ici aussi, maintenant on peut, on a le droit. Le jeu il a dit c'est bon. Vas-y mon grand, fais-toi plaisir. Ah, on a aussi des murs de béton blanc, intéressant, intéressant. C'est très intéressant évidemment. Voilà. Donc à ce stade, voilà, les travaux s'avancent suffisamment assez vite pour se permettre d'aller voir notre personnel. Puis licencier des gens. Alors bien sûr, là évidemment, on a du gros noir balèze, donc c'est bien. Et évidemment, d'abord on vire les femmes. C'est logique. Et on gagne plus de 1000$ par jour grâce à ça. Voilà. Grâce à la discrimination, on gagne de l'argent. C'est beau ou c'est pas beau? Moi je suis sûr que ça vous fait rêver. Certain. On va peut-être se mettre des petites loquettes. Ici. 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 Et ici. Par contre, tu me feras le plaisir de démonter celle-là. Tu me démonteras celle-ci aussi. Et tu me démonteras celle-là. Allez, hein. On se bouille, attends. Dépêchez-vous, je licencie encore des gens. Mec infâme. Alors, on a de la livraison. Tout est bloqué par là, de la déchetterie. Mais on n'a pas. Et il va falloir mettre ça en place tout de suite. Dans les types de pièces un peu gratos. Déchetterie, de quoi entreposer. Ouais, on n'a pas d'entrepôt. Ça fait du combien ça? 8 sur 5. Allez. Il y a 3 cases entre les deux. 1, 2, 3. 8. 8 sur 5. Et bien sûr, il va nous falloir une exportation. Donc 1, 2, 3. Hop. Et on part sur une exportation. Ah, parce que du bois, du coup. L'avantage de choisir une map comme ça, c'est c'est bien sûr de se faire un grand plaisir en bois, quoi. Donc là, le moindre bloc que je vais construire me rapporte de l'argent. C'est-à-dire que là, on a commencé le jeu, je gagne déjà des sous comme jamais, quoi. C'est génial. Ça, c'est formidable. On adore ça. Alors, on continue. On voudrait ça ici. On voudrait ça par là. On voudrait un fauteuil de bureau comme ceci. On voudrait une dalle juste là et un petit parquet comme ça, tout mignon. À ce stade, nous avons le droit d'embaucher notre directeur. Alors j'ai pris George William Periwinkle, qui me coûtera 200$ par jour, hein. Disons que tu coûtes cher. On a encore une occasion pour licencier des femmes, des obèses, des noirs. Vive la discrimination. Donc le grand chef administratif de notre prison. Les chiens de garde ont 50% de chance de totalement mettre à jour tout tunnel qu'ils détectent. Ça fait partie pour moi des deux directeurs les plus intéressants, comme celui qui permet de maintenir une certaine forme de paix. Alors c'est vrai que moi la paix sociale, la paix des ménages. À te faire foutre. Administration. Nous avons le droit de vous débloquer la finance. On pourra débloquer tout un tas de choses. Mais débloquons la finance. C'est notre boulot, on débloque la finance, y a pas de souci. On gagne encore 900 et quelques dollars. Est-ce qu'on a encore besoin de 4 employés? C'est un peu la question qu'on a envie de se poser. Pourquoi vous entreposez le bois ici? On comprend pas. Pourquoi on n'exporte pas? Ah si, ça y est, ça arrive. Okay. Exportez, exportez. Faites des choses comme ça. Je me propose de continuer à aménager des bureaux, hein. Tac. Hop. Parce qu'on en aura besoin. Évidemment. On a 3 lumières. On n'hésite pas, on les remet. Paye une petite quatrième. C'est pas gênant. Et une chaise. Il y a un bureau ici que j'avais oublié. Parfait.
Parfait, parfait. Alors pareil, hein, tant qu'en fait, on va parquer tout ça. Voilà. Voilà. Et on va faire une micro-gestion. On va aider nos ouvriers. Pouf. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ouvriers finalement, puisque bon, on va vendre le bois nous-mêmes. Hein. Voilà. Voilà. J'ai envie de dire, le bois ne sert à rien. Virez-moi ça. Virez-moi ce truc. Truc parfaitement inutile, bien sûr. Bien. Voilà. Maintenant qu'ils ont été libérés de cette tâche de gérer du bois, on est bien. On est très très bien. Finance et engager une comptable. Bah écoutez, à la limite, profitons-en pour se faire une petite. On pourrait se mettre de la lumière par exemple. On pourrait se mettre de la lumière. Et se dire, genre, la lumière fut. Ah oui, mais alors pour ça, faut préalablement aménager un peu de trucs. Alors attendez, il me faut un peu de dallage qui se rapporte au plumage. Moi je suis très fan de la dalle en béton. Le revêtement métallique, c'est uniquement en intérieur. En fait, je crois qu'ils ont mis que des trucs encore en intérieur. On n'a pas grand chose finalement pour l'extérieur. Là, on a la bonne bouillasse, bien gratos. Youpi quoi, ça fait envie. Hein. À l'intérieur seulement. À l'extérieur seulement. Ouais, mais elle est pas jolie. Elle est pas bien délimitée. Du coup, c'est un peu désagréable. Ouais, nous est-ce qu'on n'a pas envie de venir tout simplement comme ça, pas forcément avoir le grand besoin d'une grande zone administrative. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas des gens simples et qu'on est des gens très simples qui aimons simplement l'argent finalement. Et du coup, on peut se partir effectivement sur une petite construction rapide, blablabla, qui est toi, sale petite dérange. Et qui fait pile la taille de mes deux bureaux, ce qui est tout simplement magnifique. On a envie d'applaudir avec les deux. Et que oui, on va mettre là. Pas de... Quoi? J'ai pas le argent. Prochain. Ah oui. J'ai pas entendu le catching du paiement, mais bon. Ok. Bien, ok. Ok. Bon, on est bien. Engager une comptable. Ah, on va encore perdre de l'argent. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment. Vendez tout. Voilà. On libère un peu de place. Très bien. Engageons une comptable. On est pauvre. On est pauvre, on gagne moins de 1000 balles, vous savez, c'est une catastrophe. La crise économique, tout ça, vite faisons un billet. Ça va mieux. J'ai gagné un petit billet. Ça va mieux. J'avais l'impression d'en être de ma poche, c'est ce qui était très dérangeant. Faisons tout de suite la prolongation du mur d'enceinte également. Ça avance pas vite hein, les petits poulets. Ah ouais, par contre si je garde autant d'arbres, je vais galérer à trouver les petites feuilles de journal là. Garde autant de bazar, peut devenir compliqué. Alors notre intérêt là, c'est pas forcément de faire une prison pour de l'argent, parce qu'on a déjà vu ça. On va essayer de se faire une prison qui est bien. C'est-à-dire que quitte à accueillir peu de monde, mais les accueillir correctement, voir les chemins de déplacement. Cet ensemble de choses, optimiser les choses, faire en sorte que ça marche bien. Qu'on arrive à remplir des objectifs qu'habituellement on n'arrive pas à remplir. Par exemple, réussir des diplômes. Ouais, on va viser la réinsertion. Je suis d'accord, c'est n'importe quoi, c'est stupide. Enfin, une cité de gauche encore, ça. Hein, vraiment, vraiment, on gagne pas d'argent avec la gauche. Le mec est complètement affable. Possible. Yes, c'est bugué pour moi, c'est ça?
Yes, genre ça m'a dit en fait vous avez fait une salle, mais ok. Ah, sauvegarde en cours. Ouais, c'est pas encore posé. Ok. C'est pas encore posé. Ça le sera bientôt. Allez, on appuie là, allez, allez, envoyez, envoyez un peu. Hein. Voilà. Ah voilà, on en a une ici. Page de journal. Ah, le plan d'évasion. Le mec relève. J'en ai plus beaucoup des pages. Hein. Je me les avais reboot à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Petit bug, je dirais. Dira-t-on. Ah oui, nécessite un bureau. Je vais dire, ça y est, normalement on encaisse là. Ok. Voilà, c'est ton bureau. Félicitations. Faire un bureau ici. Puis-je avoir une nouvelle quête à argent, s'il vous plaît. Prenons des subventions. Le centre de détention de base, sûrement pas. Non. Construire une salle du personnel disposée d'au moins 5 gardiens sans tâche. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oui, faisons cela. Complètement. Prenons tout de suite cet argent là. Après oui, il faut qu'on aille dans les recherches inévitablement. Tac, 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 tac. Allez, au boulot. Il y a du boulot. Il y a du bon mon travail. On va démonter cette porte là. On s'en servira sûrement ailleurs peut-être un jour. C'est pas sûr. Mais dans le coup. Les gars, ça dégage, voilà. Et à la place, ce sera évidemment une porte du personnel. Le classique déco. Marie-moi ça, poulet. Mets-moi une dalle ici et on est bien. Vous voulez pas m'arracher ces conneries là, de souche là qui traînent. Vous avez décidé de laisser ça là. Oh, d'accord, très bien, très joli. Très artistique comme choix, mais bon, pourquoi pas. Très bien. Ensuite, ah, est-ce qu'on se met pas, ouais, un petit compensateur ici. Et on devrait pas tarder à avoir du courant. Est-ce qu'on n'a pas envie de se décorer ça avec quelques petits lampadaires qui manquent pas d'air? Incroyable, très joli. Hein. Monstrueux même. Hein. Oh là là, amazinge. Hein. Ah, il faut que je les raccorde obligatoirement. Oh, à ce coup. Ah, j'aurais dû mettre des petites lampes. Après on va voir comment ça éclaire, hein, mais j'aurais dû mettre des petites lampes. Au moins on saura, hein. On les a testées au moins, il n'y aura pas d'embrouille. Est-ce qu'on a envie de faire ça? On n'a pas le choix, on le fait. Ouais, bon, ça éclaire vite fait, hein. Ça justifie pas tout ce que tu m'embêtes le jeu. À la place, tu vois, je pourrais mettre des petites lumières comme ça. En plus, ça coûte combien? 150 balles le lampion! Oh là là! Ah ouais, non mais. Là, on se mouche dans des. Ah, un Discord. On se mouche dans du papier chromé. Voilà. Très joli. Et là au moins, et en plus on n'a pas besoin de les raccorder en électricité. Qu'on fait des économies folles. C'est oufissime.
C'est monstrueux même. Donc on attend des fonds. On gagne toujours des sous. Quoi? Ah oui, ah oui, c'est grâce à l'exportation. Qu'est-ce qu'on exporte? On est fou. C'est fou, c'est fou. Bien du personnel, réhabilitation. Ouais, on va débloquer plein de trucs. Cellule, douche de gardien de cuisine. Bien-être des détenus, réhabilitation pour l'éducation, le bien-être du personnel. Salle du personnel disposée d'au moins 5 gardiens sans tâche assignée. S'assurer qu'aucun de vos employés n'est épuisé. Et bien très bien. Faisons cela. Faisons cela. Pour faire cela, il faut du mur d'enceinte. Excusez-moi. Donc du mur d'enceinte, déjà qu'on va porter jusqu'ici. On va faire continuer comme ça un petit peu. Et est-ce qu'on peut avoir accès en, ah oui, il nous faut une chaudière aussi, tiens, j'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail technique. Tac. Cessons de mettre des lumières automatiquement. On va les mettre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on voulait? Oui. Construction rapide, je voulais des trucs de gardien là. Sous d'attente, c'est partagé, bureau. Salle du personnel, elle ressemble à quoi? On peut la faire pivoter? Oui. Excellent. Très intéressant ça, une salle du personnel. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais une salle d'accueil. Donc on serait sur du 7 en épaisseur, donc on va essayer de respecter du 7. La cellule d'attente, il faut du combien? Du 7 aussi, c'est magnifique ça, ça c'est magnifique. Ça c'est le destin. Ça c'est le destin qui fait bien les choses. Sauf qu'il faudrait une pièce d'accueil. Et alors la pièce d'accueil. Admission. Pas de conditions. Il faut chaise, bureau. Ouais, il faut un bureau quoi. Mais pour y rentrer une table. Donc on sait qu'un petit bureau comme ça de 6, c'est un peu trop petit quoi. Ça peut être compliqué. Mais heureusement, on va faire une salle de 7. Donc on a tout gagné quoi. Donc. Ouais. Salle de 7 sur 7. J'achète. Du coup, on sait qu'on peut prolonger notre mur d'enceinte. De deux. Poser un petit lampion. Non, viens-moi ça, viens. Poser un petit lampion ici. Vous êtes 6. Voilà. Ah, il faut une entrée. Faut une entrée. J'ai envie de dire, mettons une porte, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Porte. C'est plus 7. Yeah, je peux la mettre nulle part ma porte, ça fera gros plaisir. Abattez du bois. Hein. Faut tomber du bois les petits poulets. Hein. Ah 4 ils vont moins vite, hein. C'est bizarre. Mais on gagne des sous et on gagne beaucoup d'argent. Et ça n'a pas de prix de gagner beaucoup d'argent. Oh, je suis dégoûté des lampadaires qui coûtent une blinde, qu'il faut raccorder et tout pour faire presque pas du tout. C'est nul tiers. Hein. C'est nul. Enfin, c'est pas intéressant comme investissement quoi. Très joli. C'est pas bloqué dans les murs. Voilà. Je vous ai fait gagner du temps et moi j'ai gagné de l'argent. Très bien. Mettons maintenant la cellule d'attente.
Là c'est une d'attente. Construction rapide. Cellule d'attente. Bien que la porte ne me convient pas spécialement. Ah oui, il y a ce... Il y a cette petite donnée fort intéressante. Faisons cela. Mettons cela ici. Et derrière, je voudrais une salle du personnel. Juste ici. Très très bien, très très joli, tout ça quoi. Est-ce que je me fais pas un couloir en fait? C'est ça le... L'histoire du truc, c'est est-ce que je me fais pas un couloir? Je suis pas convaincu par mon idée là. Il y avait un début d'idée, hein? Ah, j'ai déjà commencé à construire un mur standard, d'accord. Il y avait un début d'idée, mais pour lequel je suis pas foncièrement convaincu. Ou alors il faut un grand truc vénère quoi. Un grand truc vraiment vraiment solide, genre grande porte ici. Quoi? Je peux le mettre s'il n'y a pas de mur. Okay. Hey. Mais pourquoi quand tu double-cliques ça construit un truc chelou? Quelqu'un m'explique? Au secours! Merde, juste merde. Non mais vraiment. D'accord, bon, on va faire notre mur. On va faire notre mur sans barreaux là. Vas-y, fais-moi ça là. Alors, je me fais spam sur Discord. Des gens qui demandent un MJ à tous les coups. Poète poète. Mur d'enceinte. Ça, on est bon pour le prolonger. On verra de combien. On va voir ça. Ici, là. Non mais derrière là. Derrière. J'ai vraiment mis une porte là. Secours. 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 Oh. Non, j'ai rien. Arrête, ferme. Clique sur cette plage de carnet. Nice. On a trouvé une plage de carnet, c'était rigolo. Je vais dire peut-être par tout d'abord un jour, qui sait. Des toilettes, des bancs, la vue aux quatre vents. Bon, ça me paraît parfait, hein. Ça me paraît extraordinaire. Juste des lits de base, pas des lits superposés. Bon bah le jeu... Je n'ai pas très exigeant sur la quantité de prisonniers qu'on peut accueillir, ce que je vois. Ok. Ah
Ah oui, il y avait cette histoire de... Ah oui, cette histoire obscure de cantine, il est vrai. Il est vrai. Il y avait une sombre histoire de cantine. Une très très sombre et très lugubre histoire de cantine. Je peux la mettre là, mais je peux pas la mettre là. Pourquoi? Je veux pas savoir. Je la mettrai plus tard, c'est pas grave. Je vais pas m'énerver, je suis très calme. Je suis très calme, je vois pas du tout en train, le jeu en train de me faire des bugs et des machins là. Je sais pas. Au secours. Je suis un exemple de calme, de paix, de tranquillité intérieure. Vraiment, je... Quoi? Mais mon jeu pète un boulard là. J'aurais misclick sur un truc ou quoi là? Je l'ai passé en azertique alcoolisé ou... Je suis pas au courant. D'ailleurs, on a une grande porte. Me dis pas que tu l'as pas mis. Ah, ok. Oula. La réponse n'est pas vive. Ah oui, tant que j'ai pas de prisonnier, oui, toutes les portes restent ouvertes, oui. Tant qu'il n'y a pas de prisonnier, on est bon. Dans 31 heures, on reçoit l'investissement à court terme. Excellent. Excellent. Peut-être qu'il nous pose un bout de bois là. Il sait même pas pourquoi. Je suis sûr qu'il sait même pas pourquoi. Je suis sûr qu'il se dit juste parce que je suis un connard. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et il va reposer un là. Débilos. Débilos. Donc, est-ce que maintenant je peux poser mes portes? Vous voulez bien que je pose mes portes? Il y a les deux sens ou il n'y a qu'un sens? Il n'y a qu'un sens. Ici je peux pas. Pourquoi ici on peut pas? On sait pas. On sait pas, on va être obligé de coller un mur. Le jeu lui-même sait pas pourquoi, mais visiblement c'est comme ça et pas autrement. On verra après. Non, ici il me faut la prolongation de ce truc. Non. La prolongation de ce truc là, il faut qu'on y voit un petit peu clair, donc on va dégager un petit peu. Tiens, il pleut. Ah, ça. On va donner sur la rue. Parfait. Parfait, parfait. Alors, il va me falloir pour ici. Ah oui, mais j'ai une table. Une table, une grande table, s'il te plaît. Une table. Il faut le classeur. Une table. Il me faut le bureau. Excellent. Et la chaise de bureau. Ils ont leur biche bien posée, c'est quoi hein, de travailler de s'asseoir devant le bureau. Yes, c'est lent. Et on va se mettre quelques chaises pour les détenus. Voilà. Avec la petite chaise du mec qui vient là, qui vient devant le bureau. Excellent. Petit parquet. Voilà. Très bien. Pour la cellule. C'est de l'extérieur, je suis con. Ouais, on peut leur mettre des grilles haute technologie et tout. Ah non, mais on va peut-être arrêter les conneries. Hein. Qu'est-ce qu'on va leur mettre comme merdouille à l'intérieur? Ou les garder en béton blanc aussi? On peut les garder en béton blanc. Allez, adjugé pendu. Par contre, petite dalle en béton ici, petite dalle en béton par là, s'il vous plaît. On complète les trous.
Ça, ils complètent toujours pas les mecs, hein. Ça, c'est normalement décidé que ce serait non. Hein. Ah oui, j'ai un bout de mur là. Non, mais arrête! Arrête ça! Enfin, dégage, dégage-moi ça là. Démolis-moi ce mur. Ce mur bugué en plus, de surcroît. Voilà, là ça marche, là, un peu. Ok, super. Du coup, tu mets la dalle qui manque là, s'il te plaît. Merci. Très bien. On est pas mal. Il va nous falloir une cantine obligatoire. Alors. Ça, j'aimerais voir s'ils ont fait ça intelligemment ou pas. Doit accéder à une cantine. Donc non, ils ont pas fait ça intelligemment. On a toujours cantine cuisine en séparé. Je trouve pas très... Alors, par contre, est-ce que les pièces ont été rénovées? Genre là, on est sur du 12 sur 13 et la cuisine sur un truc rikiki. Comme d'hab. Comme d'hab. On part sur un truc qui ne conviendra pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, nous on va le faire pivoter. On va peut-être partir sur une cuisine comme ça. Oh, sa cuisine elle est à la ramasse tiers. Hein. Vraiment grosse ramasse. Je sais pas trop comment je vais le designer ce coup-là. Toi à fond. Faisons de l'argent pendant que je réfléchis. Je pourrais, si je la colle comme ça, les gars ils sautent directement dans la cantine et ils vont nulle part ailleurs. Et donc ils sortent par le côté de la salle de pause des gardiens. Oui, ça me paraît très bien. En fait, ça me paraît très très bien. Faisons ça. Posez-moi ça ici. On va étendre le mur. Ouais, faudrait qu'on étende le mur et que je fasse passer les marchandises par là. Normalement, si je calcule bien mon coup, hein, si je fais pas de merdouille, ça devrait faire un truc comme ça. Ok. Ok, ok. On est encore pas mal. Faisons à plein mur. Parce que ici on va avoir toute la partie justement livraison. Donc ici c'est là où on se met Est-ce qu'on a un truc de livre? De livraison genre? Ou pas du tout? Ah, ils ont fait une nouvelle pièce spéciale douche. D'accord, rigolo. Rigolo, rigolo, ils l'ont fait. Non, ça va être à moi de la faire. Être à moi de la faire. Sachant que c'est pas obligatoirement des pièces d'intérieur. Ça peut être des pièces d'extérieur. Un simple mur de briques suffirait très bien. Avec des portes strictement réservées au personnel. Ça me paraît très bien. Ah bah ici c'est pas buggy du tout, ça fait plaisir. Hein? Mais non mais... Oh, c'est pas possible ça. Il y a un conflit de touche là quelque part, je sais pas c'est quoi. Et il y a un petit conflit de touche. Euh,
impossible d'accéder à une cantine en effet pour l'instant. Ce qui me fait penser que ta cantine je la fais moi-même ou je peux en coller une cantine. Oui non pas du tout. Oui non c'est bon, faut que je le fasse. Non. Ça, c'est quoi? Ouais. Une cantine. C'est un bâtiment d'intérieur. Ce sera une grande cantine. C'est peut-être un peu grand pour rien. C'est peut-être un peu grand pour pas grand chose. Mais ouais, faisons une grande cantine. Nous verrons, on va se faire ça, on va voir. Et là, là on met des portes de base. Quoique, est-ce qu'on veut mettre des portes de base? En fait, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des portes de base? Est-ce que clairement on remet une double. Ouais non on peut mettre des portes de base. On a déjà une porte renforcée là, normalement. Normalement on est pas mal. Les niveaux de sécurité qui deviennent injustifiés. Quoi, pourquoi, comment? Hein? Ah oui parce que du coup il y avait une porte programmée ici de base. D'accord. Bien aimable de me dégager ça, c'est rapidement. Donc ici, de toute façon, on est en intérieur, donc je peux juste poser un mur de base. Donc on est sur de la porte strictement réservée au personnel. Personnel. Et on arrive, ok, ici. S'il nous tire un mur d'enceinte par là. Ça comme ça. Et nous verrons. Et nous verrons, bien sûr. Seulement l'extérieur rapide. Non, ça c'est normal. Est-ce qu'on a un très rapide? Lent, fiche. Dalle de pierre, on est sur du rapide. Pour l'instant sa prison ouverte aux 80, hein. C'est pas. Mais c'est pas problématique. On perd pas vraiment beaucoup d'argent dans cette histoire là. Donc c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Alors, mettons leur de grandes fenêtres quand même, qu'ils puissent profiter un peu. Voilà, profiter. Ah oui, d'accord. Ouais, le personnel n'a qu'une seule porte. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien. Alors, allons-y, Alonso. Premièrement, il nous faut un mur. Alors, attends. Non, c'est pas premièrement. Premièrement, faut que tu me démontes ça. Démonte-moi ce truc. Voilà. Excellent, excellent travail monsieur. Dans les objets, allons-y. Évier, il en faut un, puis deux. Ensuite, des fourneaux. Est-ce que je peux en rajouter un? Il y a un peu d'espace, on est collé dedans. Donc il n'y a pas de souci. Pas de soucis.
là. Oh non, 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 on s'en fout. On s'en fout. Et un autre là. Ah, c'est peut-être trop, hein. Ça peut être un peu surchargé cette histoire. Ouais. Non, j'aurais peut-être pas dû. On va démonter. Démonte. Pourquoi ça livre? Ah, ça c'est casse-pied. Pourquoi ça livre de la nourriture alors qu'il n'y a pas de raison pour l'instant? Aucune raison. Ouais, ça faut démonter. Accès au personnel uniquement. Genre uniquement, c'est pas une blague. C'est hors de question que ça se passe autrement. Ou alors je démonte tout ça et je les décale un petit peu. Comme ça j'ai la place pour mettre une porte aussi proprement. Bref, on s'en fout. Production, on s'en fout. Tac, les portes s'il vous plaît. Porte personnelle 1. Porte personnelle 2. Voilà, très bien. Un premier mur. Et encore du mur. Et on est bien. On est bien. Ah ça, nous il faut qu'on éclaire un peu aussi. Hein, parce que à chaque fois j'ai pas éclairé les bureaux. Va falloir quand même, ça va commencer à se voir. Voilà, c'est suréclairé. Hein. Là ils ont la max. Hein. Faut pas fermer. Hein. Faire ça, c'est trop rigolo. Ouais, faut passer au milieu, trop drôle. Les projecteurs, une grande lumière extérieure pouvant couvrir de grandes distances, comme les coups. Oh ouais. Genre. Ah oui, mais ça éclaire autour de lui, pas devant lui, hein. C'est un petit peu triste. Non, ça je m'en fous. Lampadaire. Ah non, c'est mon rayon à moi qu'on voit, d'accord. D'accord. Ouais, on pourrait concevoir du projo, j'en sais rien. Je me dis la lumière de base ça coûte pas cher et au moins c'est clair quoi. Et au moins ça embête personne. Voilà. Et ça mange pas de pain. Et on aime ça. Voilà. Et c'est très bien du coup. Bah yes. Et puis bah vous aussi vous pouvez vous en mettre. Hein. C'est très bien. Ok. Par contre on sent qu'on n'a pas de jardinier. Je pense que ça sent un petit peu l'absence d'un jardinier. Commence à se faire ressentir. On va pas se mentir. Ah j'ai crampe dans le bras, excusez-moi. Très bien, ça ne ressemble à rien, c'est dégueulasse, c'est formidable. Il est impossible d'accéder à une cantine. Oui, parce que oui, il faut qu'ils accèdent à la cantine, sinon je vais leur taper sur les doigts, je vais dire comment ça. Comment ça. Déplacement normal. Déplacement normal. Ah mais ça c'est moins cher. Voilà, je vais remettre mon carrelage. Bien sûr. Comme d'habitude. Hop. Très joli, hein, très joli. Il va me falloir par ici des tables de service. Ouf, ouais, c'est vrai que c'est pas les tables de service. J'avais oublié que c'était aussi grand. Bah mince. Ouais, à la limite, ok. Ok, et on collerait, je sais pas comment je vais placer mes tables de service parce que là c'est balèze. C'est assez balèze. Ou alors ouais, j'en mets un petit peu genre là. Genre là c'est très joli, voilà. Genre on enlève des trucs quoi. Une petite poubelle au milieu. Voilà, c'est très bien. Et là on y croit complètement, non? Là on y croit, on y est quoi, ça vend du rêve. De la table.
Alors ouais, mais de la table comment? Parce que comme ça prend de la place. Mais ça laisse un couloir assez dégagé. À la limite sympa. Hein. Dégage un peu, voilà. Regardez ça, regardez, c'est pas spacieux ça. Ah, je sais pas ce qu'il vous faut hein. Je trouve ça magnifique, c'est fou quoi. C'est fou. Bon là on est peut-être un peu embêté sur ce coup là. Peut-être plutôt partir sur voilà, des tables comme ça. Je pense qu'on peut en rentrer un peu plus si je, ouais, si je les place autrement. Ça on verra les plaisirs en plus. Là. Tac. Bon. Alors. On dit qu'on pourrait faire ça comme ça. Comme ça. Ah non, on se retrouve à nouveau le nez dans le mur. Eh ouais, c'est embêtant, c'est embêtant. Bon, on peut se mettre une petite table contre le mur. En vrai. Pourquoi une petite table? On peut mettre deux petites tables si on veut plutôt que de mettre des grandes. C'est faisable aussi. En vrai, c'est faisable aussi. En vrai, si je les pousse là. Ah bah complètement. Complètement, complètement. Arrêtez, arrête tout. C'est-à-dire que je prends une grande table. Paf. Et du coup là ok on a du vide. C'est pas dérangeant. On prend une autre petite table, on la met là. Ok, du coup on démonte ça. On démonte celui-là. Et on démonte celui-là. On replace nos bancs, excusez-moi, hein. c'est pas toujours très passionnant. Ah ouais, mais alors la petite table a fait vraiment tâche quoi. Moi ça. Tâche, c'est moche. C'est moche. On va faire comme je voulais faire du coup. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Donc celle-là, on la met là. Et bah celle-là, on la met contre le mur. Puis point barre. Les bancs, les vrais bancs. Voilà. Et à la limite, si on peut caler une petite table par là, ça n'a pas d'intérêt en vrai. En vrai, ça n'a pas d'intérêt. Ça a juste l'intérêt de remplir quoi. Il peut avoir l'air respectable devant les portes. Bon, bah pourquoi pas. Voilà. Voilà. Essuyez vos pieds boueux. De cochon. Très joli. Hein. Franchement, je sais pas si c'est une grosse utilité, mais allons-y. Hein. Suivez vos godasses, bande de porcs. Voilà. Ça fait genre. Voilà, vous aussi. Ah oui, mais vous êtes en extérieur officiellement. Ah oui, je sais pas. Pas ce qu'on veut. Ce qui me fait d'ailleurs dire que normalement, ici, il faut que je mette une pièce de livraison. Tout ça là, c'est de la livraison. Comme ça, voilà, on est très bien. Très jolie pièce de livraison. Petit design unique, conceptuel, quoi, un peu. Donc, la salle de livraison là. Hop, vous n'avez plus qu'à redéplacer les choses. Et on est bon, on a une seule pièce de livraison. On est très bien. Ça c'est fait, ça tient, c'est beau, c'est propre, c'est nickel. On a trois tables de service pour même pas quatre tables entières de type à servir là pour la cantine, donc on est très très bien, on est très 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 bien. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque bah du raccordement évidemment. Il faut se raccorder, il faut se raccorder. Ça va être évident tout le temps non plus. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir aller bien plus loin. Est-ce qu'on a envie d'aller bien plus loin? Ça normalement tu portes jusque là hein, sans problème. Je pense que ça porte, je pense que ça tient. Une valve, donc non normalement on dit une vanne.
Bascule l'alimentation en eau de tout tuyau relié. D'accord. Jamais trop compris l'utilité de ce truc, mais d'accord. Ah oui, il va falloir qu'on pense chauffage aussi. Hein. Il va falloir penser à chauffage, chaufferie et autres truqueries. Autre trucouille. Tiens, on met un petit écran de télé, les mecs, bien posé. Petite bande d'arcade plantée au milieu. Ah non, bah non, juste là, bien sûr. Bande d'arcade, juste là, bien. Bien ou bien, t'as vu. Ah, et vos petites loupiottes, bien sûr. Le raccordement électrique. Ah ouais, mais idéalement j'aime pas que les deux chevauchent. Le problème c'est que soit ça va de toute façon chevaucher ça, soit ça va chevaucher. Soit ça va chevaucher bien d'autres choses. Alors, l'objectif c'est de faire un petit serpent. Snake. J'ai ok, intéressant. Ok, intéressant. Ah oui, parce que j'ai relocalisé tout le temps les machines. Ah, ok, ce petit côté un peu rigolo. Vas-y, posez du câble. Électricité, c'est pour bientôt. Ah, il y a une petite friture électrique quand même sur, sur le son, hein. C'est pas toujours, toujours très au point. J'aime bien comment les mecs ne montent toujours pas les câbles, tu sais, à l'affilée, c'est vraiment... Et il le prend, il l'amène à l'autre bout. Bah, c'est nice. Bah salut mec, hein. Sera connecté et on sera bien et on y verra quelque chose sauf dans cette cantine où il ne voit rien bien sûr. Il va falloir que je mette un peu d'éclairage. Déjà on va essayer de mettre la lumière extérieure. La lumière extérieure, avez-vous vu la lumière? Les Blues Brothers, bien sûr. Très bien, très joli. Petite, petite fenêtre là. Oh joli, oh vraiment c'est incroyable. J'aurais voulu le faire exprès, ça aurait pas été aussi joli. Très bien. Donc là, pour cela, je sais même pas si je peux en mettre une sur deux, je me rappelle plus de la taille de la pièce. Mais allons-y, on va prendre ce risque, on va essayer 1 sur 2. Ça passe globalement. Parce qu'il y a un bout de mur là, allez on dit que ça passe hein. Ah du coup on a de la lumière dedans. J'ai mis voilà. C'est lent. Bon c'est dégueulasse. Mais on le dira pas. On dira rien là dessus hein. Dégueulasse mais ça va. Du coup on peut leur ajouter quelques lampions. Ah, c'est agréable. Je me demande d'ailleurs si ça ne fait pas baisser la facture d'électricité du coup. Ce serait intéressant de savoir. Tac, et tac. Et je crois que cette table est pile au milieu de la pièce. J'ai l'impression. Pas du tout, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu à cette pièce et je déteste ça. Secours. Même là, je sais même pas s'il y a un milieu, si on dit toi bien. 1, 2, 3. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas de milieu non plus. Secours, c'est horrible.
Ok, ça fait genre. Mais ça fait genre aussi qu'il faut que je tire plus de cap, je crois. Ouais. On est combien en charge là? Oh, on est large. On est largement bien. On est largement bien. On va pouvoir alimenter probablement le secteur sans souci. On va tirer du câble. On va tirer du câble et ça là. Mur d'enceinte, s'il vous plaît. Parfait. Alors, du coup, oui, bah on a touché déjà entre deux une subvention, ce qui fait que je peux me permettre de prendre bien-être du personnel. Construire une salle du personnel disposée d'au moins 5 gardiens sans tâche assignée, s'assurer qu'aucun de vos employés n'est épuisé. Voilà. Alors, on va prendre ça, on va embaucher 5 mecs, on va licencier tout de suite après. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est fait, et c'est beau, c'est magnifique. Et regardez-les, ils foutent rien. Ils sont bien ou ils sont bien? Par contre, là, on gagne plus de thunes, hein. C'est fini. Hein. 400$ de gardien! Vous êtes tous virés. Ah, au début, je me suis dit que je vais avoir un peu de pitié. Rien du tout, fous-moi tout ça dehors. Incroyable. J'ai fait garder des gens embauchés. Je fatigue un peu, je pense. Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue qui se fait sentir là. Un petit peu. Voilà, on est un peu, c'est un peu compliqué des fois. C'est pas facile tous les jours, faut comprendre. L'exportation, pareil, il faudrait mettre ça. Bon, comme déchetterie, tout ça, en fait, faudrait mettre ça en longueur. Il faudrait tellement mettre ça en longueur que je me demande en fait si je démonte pas ces portes là. Ouais, démonte. Démonte ça. Démonte ces deux trucs là. En fait, je vais tout construire à l'affilée. Je vais leur faire un grand secteur juste pour eux. Je vais avoir à chaque fois un couloir de 2-2, tu vois. Tranquille. Et puis, ça fait combien ça? Du 7. Avec du 7. Double porte. Mais c'est même pas au milieu mon truc, c'est dégueulasse. 6, 7. 1, 2. Ah ouais, c'est ça. Oh, elle est dégueulasse ma salle, au secours. Ah, vous auriez pu me le dire qu'elle était moche. Hein. Ah vraiment, vous êtes vache. Ça se fait pas. Hein. Démolir, je sais plus c'est quoi le raccourci pour... On va se faire une salle un peu moins crado. Voilà. On va démonter ça. On va démonter ça. On se servira ailleurs. C'est pas le problème. On va se remettre un petit béton blanc. Quoi? Ah, c'est des dalles de pierre. On met des petites dalles de pierre là. Voilà, très joli, très joli. Bravo. Calmez-vous, calmez-vous. Ils ont l'air tendus. Petits, ils ont l'air tendus. Et je pense qu'ils craignent pour leur emploi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et paf, on va quand même faire profiter de la lumière extérieure. On n'est pas comme ça. Voilà. Cette salle est moche. Le seul moyen de la rendre convenable, ça serait de démolir ce mur et de créer une faiblesse dans l'infrastructure. Est-ce que ce serait acceptable ou pas? C'est une grande question. Moi je pense que ouais. On verra. Ah oui, du coup faut que j'agrandisse la pièce juste. C'est vilain quand même, hein, j'avoue, c'est pas très joli. Pas très joli ce que je fais, mais pas très joli quoi. C'est quoi les conneries? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, mais oui, mais en fait, je suis complètement tout décalé quoi. 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 là. Mais en fait, on est censé fermer ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Comment j'ai compté mon truc là?
Bon, en fait, je suis con, c'était équilibré. 1, 2, 1, 2. Je suis un abruti. Ne répondez pas. Ni en commentaire, ni... Non, ne répondez pas. Je tente des designs plus que de régler mon problème hein, donc ne vous excitez pas, calmez-vous. Ça vous occupera. Du coup, j'ai 1, 2, 3 ici, 1, 2 ici. On n'est pas à l'équilibre. On n'est pas à l'équilibre. Pour être à l'équilibre, il faut que j'agrandisse là. Ce qui fait que du coup, je. Je démolis ça. Je démonte ça. Je démonte ça. Non mais allez-y à fond. Allez-y à fond. Très bien. Pouf paf pif. Pif pouf paf. Très bien. Très joli. Ouais, en fait non, tu vas me démonter ces deux portes là. On va remettre les deux grilles là. Si on, on va voir si on peut inverser d'ailleurs les grilles, si les grilles ont des skins inversés ou pas. Tac. Tac. Ouais, ils en ont. Ça là-dessus c'est fait. Ok. Donc ici on va se mettre des dalles de pierre. Dalles de pierre. Tout le reste en pas salle de béton, en dalles de pierre. Voilà. Entre les services, on se met de la dalle de pierre. Et là, on est à l'équilibre. Et là, c'est très joli. Ben voilà, tout simplement. Tout simplement. Il suffisait de prendre ses neurones 30 secondes, commencer à réfléchir. Et, hein, ça pouvait ressembler à quelque chose. Hein. Alors, du coup, ce bâtiment, tu fais du combien là? Ton mur, hein, tu fais du combien? Du 10. Et du coup, là, mon muret il fait du 8, 9, 10. Et le problème, c'est que dans tout ce réseau de portes là, il faut que j'ai une zone tampon entre les deux où les mecs vont passer avec leurs déchets et autres petites choses. Donc, il me faut clairement la livraison ici, il me faut l'exportation là, mais il me faut pas l'entrepôt ici. Il faut l'entrepôt de l'autre côté du mur. Il m'aurait peut-être même fallu la livraison de l'autre côté du mur. A voir. A voir, mais de toute façon on va essayer de se faire un petit couloir sécurisé entre les deux. Ce qui peut nous assurer des tentatives d'évasion vaines. A chaque fois je me prends la tête avec ces trucs là, alors qu'en réalité personne n'arrive jamais à s'échapper par ce genre de truc. J'en ai bien un ou deux qui ont essayé une fois. Les mecs étaient partis faire du nettoyage dans la zone administrative, ils sont arrivés, ah, vas-y comme des kékés, ils sont fait. Ils ont jamais passé les barreaux et ils sont venus les chercher à coup de taser. Ou à coup de plomb, je sais même plus. C'était très rigolo quoi. Ah pareil, hein, moi j'ai envie de démonter ces portes là, j'ai envie de leur mettre que des grilles. Hein. C'est un style, hein. Le style tout en grille. Le style tout en grille, vas-y. On va voir également s'il y a. Personne ne demande celle-là.
Est-ce que j'ai fait démonter? Je sais même pas. Démonte ça. Ok. Nice. Et du coup, on a dit porte. Tac. Et ici, du coup, 1, 2, 3, ici 4, tac, tac, 4, comme ça. Il faut que je remette un mur là. Ok. On arrive à avancer, hein. C'est pas, hein, c'est pas évident, mais on va y arriver. Hein. Croyez-moi, on va y arriver. Ah oui, du coup, la salle de livraison, bah encore une fois, on va l'agrandir. On passe notre temps à l'agrandir, on l'aime bien. Hein. Livraison. Voilà, livraison c'est fait, c'est agrandi. Entrepôt, on a dit, il faut que ce soit en intérieur. Déchetterie, faudrait que ce soit en extérieur normalement. Voilà, je vais mettre l'exportation ici. On va tout de suite en profiter pour te daller pour que les mecs démolissent tout ce qui traîne dedans. Voilà, ça veut démonter tout ce qui traîne. Et est-ce que du coup on se met pas... En fait j'ai envie de mettre un couloir qui sépare les deux. Avec à l'intérieur la déchetterie, en fait là de, en gros de faire un autre mur avec la déchetterie et le dans la même taille que ça en gros hein. Déchetterie et j'ai oublié, et entrepôt. Juste entrepôt et je mets ma déchetterie à la suite là. Bon, je pourrais hein. Je pourrais. Ah ouais, et en fait je mets mon entrepôt genre ici. Genre est-ce qu'on peut partir genre en planification? Bien. Exemple, je le mets genre mon entrepôt par là. Je me mets genre la déchetterie ici. Et juste là, je me cale les gardiens par lesquels tout le monde est obligé de passer. Sauf ce qui va en entrepôt. Mais ce qui va en entrepôt, il n'y a pas tellement besoin de le contrôle, quoi. Je veux dire quoi. Du coup, on est pas mal. On est pas mal même. On est pas mal du tout, je trouve. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pourquoi pas dans un prochain épisode aussi. Je remercie Steknarfang sur Code d'Habitude Gaming pour Prison Architect et je vous dis à la prochaine. Ciao.